Hey, salut les amis. Alors, petite session pêche. Je vais pas vous dire où je suis, vous avez qu'à deviner. C'est dans ma région, hein, bien sûr. Donc voilà. Ah, l'ami Pimi là. Qu'est-ce qu'il a? Ah bah oui. Ah. Un vieux bout de ferraille. Voilà, donc je sais pas, il y en a peut-être certains qui connaissent. Hein. Allez, mettez dans les commentaires. Voilà, la ville où je suis, quoi. Le petit signe. Voilà, bon, allez. Moi j'ai pas le temps de dire bonjour. Ah mince, oui. Oh là là. Bonjour tout le monde. Oui, avec un sourire. Avec ce beau temps. Ouais, non, franchement, ouais. Il fait vraiment beau temps. Bon alors. Ah. Ah, quand même. Ah, sous les ponts, c'est toujours bien. Il y a un de ces courants. C'est quoi? Je crois que c'est la partie de l'autre en fait que j'ai fait tomber tout à l'heure. Ah, mais c'est quoi? C'est... De toute façon ici c'est des vieux trucs, hein. Voilà, ouais. On a fait ça. Hop. Et puis quelques petits bouts là-bas. Bon allez, on est reparti. Bon, on a vu qu'une partie parce que la caméra s'est coupée. donc c'était que ça. C'était ça. Voilà. Oh. On a vu un morceau là-bas, ça a l'air d'être... Il est où? Je sais plus justement. Ah. Bon allez, je vous repense, il y a quelque chose. Je le voyais pas. Bon. Enfin, c'est à... sur l'IPN. De quoi? Je suis sur l'IPN. Ah, c'est sur l'IPN. Ah bah c'est ballot. C'est quoi? Hein? Un micro-ondes? Ouais, je crois. Bon, récupération du... Il y a plein de vases là-dedans. Attention à tes pieds. Ouais. Et voilà, un micro-ondes. Oh, ça ne doit pas faire longtemps qu'il est là-dedans, lui. Tu demandes à l'électroménager. Bon allez. Je demande à tout. Bob là qui nous dit qu'il a quelque chose, monsieur Lantulus. Je sais pas si je vais avoir quelque chose. À moins que ce soit de la salade. Allez, c'est quoi? Attends, déjà il y a une cuillère pour le... Ah! Un autoradio, je crois. Sympa! Ah. Un petit leurre. Oui, effectivement, un autoradio. Ah, on va peut-être la voiture pas loin. Avec les prises là. Voilà. Ah. Et ben voilà, on va pouvoir mettre de la sono dans la Laguna, impeccable. Ouais, regarde. On a notre grappin. C'est impeccable. Ouais, nickel. Elle est jolie, je trouve. Ouais. Elle est lourde, hein, comme machin. Voilà, bah merci aux pêcheurs. Attention. Allez, à la prochaine. Bon, le mystère, il a fait une barre. Il disait une barre de fer, mais quand on regarde de plus près, il est octogonal. Et voilà, un canon de fusil. Non, ça m'étonnerait qu'il soit le fusil de l'autre, non. Voilà, c'est un canon de fusil. Pas tout jeune. Voilà, on va nettoyer et puis on verra.
50 par là-bas. Là où je suis à peu près ? Non, plus haut. Là ? Sinon, tu viens là avec les mains, non ? On voit mieux. On ne pourra pas atteindre jusque là-bas ? Tu me dis, là ? Bon ben voilà, la session est terminée, on est rentré là, donc voilà, tout ce qu'on a récupéré aujourd'hui, encore une belle dépollution, le micro-ondes qui est bien là, l'autoradio, et le canon d'un fusil, hein, un vieux fusil, donc voilà, des Kenwood, un Kenwood. Tu mettras dans ta voiture. Ouais. Voilà, absolument. Et puis voilà, un petit peu de bordel. Oui. Ah, et puis son canon là, c'est vrai qu'il est. Pah. Vas-y, ouais, fais. Fais pont. Voilà. Bon, voilà. C'est un gamin, hein. Ouais. Voilà. Oh là. Bon ben voilà, bon ben je vous dis à bientôt, la prochaine ça sera une vidéo de détection. Allez, ciao. Ciao, à bientôt. Ouais. Et toi, tu dis au revoir. Ouf. Bon lui s'en fout, c'est une vache, il arrête pas de manger de l'herbe. Allez, ciao, à bientôt. Bon, un petit message à faire passer. J'ai lu hein, sur les réseaux sociaux qu'il y a certains préfets, certains maires qui ont un petit peu marre de la pêche, des pêcheurs allemands. Pourquoi ? Ben, voilà, encore une minorité qui vont encore faire chier leur monde. C'est vrai que la pêche allemand a de plus en plus de succès et de plus en plus de monde donc pêche. Mais malheureusement, c'est comme la détection de loisirs, il va y avoir toujours des bouffons qui vont salir ce loisir. Alors comment ? Simplement parce qu'ils font de la pêche allemand et ils laissent tout sur place. Ils ramassent rien, ils disent rien. Et voilà, il y a des gamins qui passent, ils peuvent se blesser avec ce que vous ramassez. Donc j'ai vu des déchets hein, de ferraille, donc c'est des pêcheurs allemands. Ils laissent traîner. Voilà, j'en ai même vu qui ont laissé traîner ça dans des espèces de bacs à sable pour les gosses. Donc maintenant, je comprends qu'il y a certains maires et certains préfets bon, bah, qui veulent l'interdire parce qu'ils en ont marre. Hein. Imaginez-vous, si c'est votre gamin qui se blesse avec ça, c'est voilà, vous serez les premiers à porter plainte contre la mairie parce que vous avez laissé traîner ça. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule. Donc ramassez vos merdes et puis si vous n'êtes pas capable de le faire, bah, ne faites pas de pêche allemand. Allez, à plus.